Salut Brut, c'est Camille de Girl Go Green. Peut-être que tu as vu de plus en plus sur les boutiques de tes commerçants et commerçantes ce sticker. Et aujourd'hui, on va rencontrer l'une des premières chefs à l'avoir installé pour nous en parler. Bonjour Alexandra. Bonjour Camille. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour Brut? Oui, donc bonjour, je m'appelle Alessandra Montagne. Je suis chef de restaurant Nosso à Paris dans le 13e arrondissement. Les gens passent devant, ils ont soif, ils ont une gourde. Okay. On ne va pas dire non à quelqu'un qui demande d'avoir de l'eau, ça n'existe pas. Donc on remplit la gourde et par avec, c'est génial. Et tu penses justement que les commerçants, vous avez un rôle à jouer en tant que commerçant auprès du public? Bien sûr, mais je ne vois pas un commerçant refuser. C'est pareil. Nous, les commerçants, nous sommes des acteurs très, très importants dans cette transition parce qu'on reçoit beaucoup de monde. On a beaucoup de passages devant nos boutiques, devant un restaurant, on a beaucoup de monde qui passe. C'est une gourde, c'est 200 personnes là par jour. Ouais. Prenons une bouteille, on la remplit, ça fait une gourde. Imaginez à la fin de l'année combien de bouteilles en moins va se trouver dans les océans. Donc évidemment, c'est un rôle très important. Chaque Parisien et chaque Parisienne pourra remplir sa gourde dans les commerces et restaurants qui sont partenaires de notre opération. Ici, je choisis l'eau de Paris. Et nous voulons faire de ce geste un geste aussi naturel que de remplir sa gourde chez soi ou dans une fontaine dans l'espace public. Nous ambitionnons évidemment de sortir du plastique à usage unique à Paris d'ici 2024. Qui est vide du coup pour faire un test. Si on imagine que je suis une cliente lambda qui passe dans la rue et qui voit le sticker, je peux venir et juste te donner ma gourde comme ça? Mais bien sûr, avec plaisir. Génial, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.